Bonjour à tous, ici Raven de la team TK et aujourd'hui on va continuer les quêtes. Enfin, on va commencer le rang 7. On va d'abord discuter avec Minoto. Avec Inoa, pardon. Les gens s'inquiètent de me voir manger que des dangos. Ah oui, ça on savait. Tu as obtenu une sacrée réputation, ça aussi on l'avait vu. Et là. L'Ibushi n'avait qu'une pensée. Où est ma reine? Où est ma reine? Quand j'ai raisonné avec lui. Cherchait-il l'autre dragon? Cette Narva avec laquelle ma sœur a raisonné? Au moins je peux de nouveau entrer en résonance avec elle. Mais elle est aussi connectée à ce monstre. Ça me fait tellement peur car on dirait que cette connexion lui plaît. Ah! Oh! Intéressant. Et toi? Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression que Yori a gagné en maturité. Après toute cette histoire avec le Magna Malo, j'y vois plus clair concernant la décision de Yori. Il faut croire que je l'ai mal jugé, au moins je l'admets, c'est déjà un début. Tu m'as ouvert les yeux, ça te dirait un bon repas avec Yori et moi une fois la paix revenue à Kamura? Mais si je t'invite, ce n'est pas du tout parce que je ne serai pas à l'aise en tête à tête avec Yori. L'Ibushi a encore sa reine, la Narva du tonnerre. Ah ça, on est presque tragique quand on y pense, une histoire d'amour contre vents et marées. La douleur de la séparation est si forte que les monstres à proximité se déchaînent. Tandis que les deux amants se moquent des souffrances causées par leur passion au fil des siècles. Nous devons empêcher à tout prix que la reine et le roi se réunissent pour en finir avec ce cycle destructeur. Bah justement, le fait de les réunir, ça permettrait justement que ça se calme. Non, en vrai, ça va juste péter, ça va juste tout péter. Te voir accomplir autant d'exploits me rappelle mes jeunes années de chasseur. Ah, c'était le bon temps. Malgré mes vieux os, je dois avouer que ça me manque parfois. Fugen et Ojo te diraient pareil, enfin surtout Fugen. Il me dit souvent qu'il aimerait reprendre la chasse un jour. Le jour où Kamura sera enfin en sécurité, peut-être que nous pourrons tous reprendre la chasse. Et ce jour-là, j'espère que tu te joindras à nous pour voir ce dont les vieux briscards sont capables. Ah, c'est pour ça qu'ils sont trois en fait. Ouais, donc ça c'est tout bon. Oui, donc c'est tout bon, ok. Fugen peut-être aussi. Quel programme du jour? Quelque chose d'excitant en tête? Si t'as besoin d'idées, des quêtes, t'attends au grand camp. Oust. Ah oui, d'accord. Ok. Effectivement, toi, tu veux pas parler. Il y a le loterie. Ah, mais j'ai déjà dû la faire. Ces derniers temps, mon grand-père me pose pas mal de questions sur mon job en tant que scout pile-poil. Enfin, je dis ça, mais c'est plus de temps en temps en fait, voire assez rarement quand j'y pense. Mais bon, je sais qu'il n'approuverait pas du tout mon choix de carrière jusqu'à récemment, alors c'est déjà du progrès. Je suis persuadé que c'est grâce à toi. Quand Kamura sera en sécurité, qu'est-ce que tu dirais d'aller manger avec nous? Mais si je t'invite, ce n'est pas du tout parce que je ne serai pas à l'aise tout seul avec mon grand-père. Je suis venu au grand camp dès que j'ai appris ce qui est arrivé à Minoto. Elle avait l'air d'aller bien, mais ses yeux brillaient d'un éclat doré, bizarre, et elle avait presque l'air contente. Ok. Si elle résonne avec un monstre, elle aussi, nous devons le trouver. Elle a l'air bien, mais ça ne veut rien dire. Il paraît que Kogarashi était le palicou de Fugen l'ancien, à l'époque où il était chasseur. Et ça se voit que Kogarashi a eu son lot de chasse. Même les plus rebelles des pile-poils, ne font plus un bruit quand il est dans les parages. J'aimerais bien réussir à dégager une telle autorité un jour. Ok. Très intéressant tout ça. À l'heure actuelle, nous concentrons nos efforts sur la Narva du tonnerre. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne parvenions à la débusquer. La calamité est une catastrophe sans nom, et pourtant, unis tous ensemble, nous avons pu y faire face. Je dois avouer avoir été abasourdi par la bravoure de nos jeunes chasseurs. Kamura est entre de bonnes mains, et on n'apprend pas aux vieux chats à faire la grimace. Les vieux briscards comme nous se défendent encore bien. Fugen, Ojo et Amon ont toujours cette même rage de vaincre, et j'imagine qu'il en est de même pour moi. Tous les citoyens de Kamura ont de la vigueur à revendre, ça promet.
Ok, pareil. Ok. Toujours. Ok, d'accord. Bon. Rondine. Toi, tu es celle qui m'intrigue le plus. Non, mais pas toi, Kotori. On s'en fout. Kamura a un côté nostalgique. C'est quelque chose que l'on ressent immédiatement. C'est peut-être l'originalité du village et la gentillesse des habitants. C'est apaisant. Ce village est devenu précieux pour moi. J'espère que mes compatriotes auront la chance de le découvrir. Dis, tu as déjà été... Oui, ça, c'est... je m'en souviens. Et l'autre... J'ai entendu dire que partout... Les chasseurs se préparaient à traquer la Narva du Tonnerre. Une nouvelle espèce de dragon ancien et pas des moindres. Il y a beaucoup de prestige à la clé. Dès qu'une quête concernant ce dragon apparaîtra, ce sera la folie. J'espère que tu ne manqueras pas de sauter sur l'occasion. Ok, d'accord. Donc, pas grand-chose de la part de... De Rondine. Ah, peut-être... Chambellan? Ouais. Chaque fois que j'entends parler de vos exploits, je ronronne. Vous serez bientôt au sommet de votre art, je ne m'en doute pas. Quelle allure vous avez? Apparemment, la Narva du Tonnerre est la vraie cause de la calamité. Personne n'est plus à même d'affronter la Narva que la chasseuse ayant vaincu l'Ibushi. Ne laissez pas un autre chasseur mettre la patte sur la gloire qui vous revient. Et d'ailleurs, on remarquera que c'est bien le même principe que les yokai japonais avec le dieu du vent et le dieu de la foudre. Donc ça m'étonnerait même pas que la Narva du Tonnerre, ça soit la jumelle entre guillemets de l'Ibushi. Oui, ça on sait. Ok, d'accord. Bon, tac. Et peut-être toi. Te révèle la seconde partie. Ouais, non, bah alors non, Yomogi, on sait qu'elle a des origines peut-être de noble. Donc peut-être sur les terres d'Aya. Ah, peut-être le marchand aussi, ça aurait été peut-être intéressant. Votre aura a changé, vous avez un air d'autorité depuis quelque temps. Mais il n'y a pas d'intimidation dans vos yeux, que de la bonté. C'est ce qui fait les meilleurs chasseurs, la force pour chasser, la compassion pour aider. J'espère que vous continuerez à utiliser ces qualités pour protéger Kamura. Il faut protéger le village à tout prix. Après le vent vient le tonnerre. C'est ce que voulait dire. C'est ce qu'elle voulait dire par Rem. La bataille n'est pas finie. Tant qu'ils n'auront pas été éliminés tous les deux. La calamité continuera. J'espère juste que Dame Minoto n'a pas trop souffert comme Dame Inoa avec l'Ibushi. Oui. Ok. Tac. Hop. Et Yomogi peut-être. Après le serpent du vent, c'est le serpent du tonnerre. Le prochain, ce sera le serpent de la saucée. C'est quoi son nom déjà? Narla? Narga? Non, c'est un autre. Laisse-moi deviner. Chut, ne dis pas, je vais trouver. Narva du tonnerre, c'est ça. C'est parce que tu as vaincu les bouchies du vent que la Narva du tonnerre a fait son apparition. Ok, alors par contre un truc intéressant aussi c'est étant donné qu'on a ces deux dieux, est-ce que le prochain ce serait Amaterasu, donc avec l'Amatsu, ou alors ce sera peut-être Inari, la déesse de la terre, et donc dans ce cas-là un nouveau dragon ancien. Hop, on prend les dango. Forgeron défenseur, c'est déjà pas mal. Je pense que tout est bon. On va aller voir. Ah oui, il reste Ojo, à aller voir. Il n'y a désormais plus aucun doute sur le fait que la reine de l'Ibushi, le Narva du Tonnerre, soit encore en vie. Bien que ce soit une triste nouvelle, nous devrions remercier les jumelles de l'avoir découvert avant une fin atroce. À y repenser, ça paraît logique que des jumelles possèdent un pouvoir similaire, mais ça reste incroyable. À ce rythme-là, si l'on réussit à tuer
A tué la Narva, les horreurs de la calamité seront du passé. On y est presque. T'as pas autre chose à dire? Dis donc, tu vas passer maître dans l'art de la chasse si ça continue. Continue comme ça, la chasse est un art qui se perfectionne toute la vie. Il y a des en... ouais, ok, d'accord. Peut-être le... Peut-être le chat aussi. Quand j'ai appris que Minoto s'était mise à raisonner, ça m'a fait un choc. Dire qu'elle s'assoit juste à côté de moi. Mais elle paraît complètement en forme, et ça n'a pas l'air de la déranger pour un sou. Chapristi, c'est bizarre. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Ok. Ok, donc c'est la même chose encore. Ouais, ok. Et maintenant... Ah, attends. Avant, peut-être... Ah non, ouais, il sert vraiment à rien. On peut même pas discuter avec lui, c'est bien. Allez. Tu sais, c'est bizarre, cette deuxième résonance avec la Narva n'est pas aussi pénible que la première. Ok. Inoue n'a pas l'air non plus dérangé par sa résonance avec l'Ibushi, comme si c'était un jour comme un autre. Mais si on ne se débarrasse pas d'eux, notre village est condamné. Nous devons les trouver au plus vite. Ok. Ah, je pensais que seul Inoue possédait ce pouvoir, mais il semblerait que je l'ai aussi. J'ai toujours eu peur que l'on ne soit pas vraiment sœurs. Ah, vu comment vous ressemblez, ce serait un peu étonnant. Mais il n'y a plus aucun doute avec ce pouvoir. Le flot de pensée de la Narva n'est pas très agréable, mais je suis trop contente pour y prêter attention. Et Inoue est tellement inquiète qu'elle me rend visite constamment. Elle ne me quitte pas d'une semelle à la maison. Tu n'es pas vraiment obligé d'affronter la Narva, hein. Tu pourrais juste laisser filer. Ah ouais! Ah oui, d'accord. Ah oui, elle est vraiment... Elle est vraiment déter. Je plaisante, je plaisante. Oui, tu plaisantes, évidemment. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Ouais, tu m'étonnes. Les pensées de la Narva du Tonnerre sont si puissantes que j'ai presque repéré où elle se trouve. Mon roi, où est-il? Où est mon roi? Cette pensée l'obsède, comme Ibushi. Ok, ouais, donc bien deux âmes sœurs. En plus, c'est rigolo, âmes sœurs. Qui veulent à tout prix se retrouver. Mais tandis que les pensées de l'Ibushi dégageaient une profonde solitude, celles de la Narva sont pleines de rage. Ah, intéressant. Cela me laisse penser que sa puissance surpasse de loin celle de l'Ibushi. Nous devons faire très attention. C'est souvent le cas avec les femelles. Les femelles sont souvent très supérieures aux mâles dans le domaine de animal. Alors, du coup, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le croque-mitaine, hein, tiens, tant qu'à faire. Si jamais j'ai de quoi faire son arme en tout, ce serait parfait. Au niveau du compendium, est-ce que j'ai. Tac, alors le Gossarag, il craint bien le feu à fond. Ok. Bon, du coup, on a quand même passé 10 minutes à discuter avec les gens, ce qui est quand même pas négligeable. Du coup, ouais, c'est ce qu'on va faire. J'en ai profité pour faire la lame comment ça s'appelle? En Magnum Halo. Et du coup, j'ai pu avoir aussi les griffes force et griffes de... Enfin, griffes pouvoir et... Les griffes de défense. En fait, on les a en faisant une fusion de l'amulette avec les griffes de l'Ibushi. Alors, j'ai eu du bol, j'ai eu pile ce qu'il fallait dès le début. Donc, comme ça, au moins, je suis tranquille. Du coup, ça veut dire que l'estampe, elle va se terminer avec la Narva. Donc, on aura toute l'estampe entière. Ça, c'est cool, ça. Allez. Oh, on a un petit Grex qui traîne, ça va être l'angoisse. Tigrex Barioz, oh là là, ça va être l'enfer tout ça. Bah, de toute façon, on va. On va utiliser les spectres oiseaux. Non, 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 qu'est-ce que. Ah! Vite, vite, avant que les machins ils se tirent. Ok, parfait. Ok.
Tac. Oh, le gisement minier, pourquoi je l'ai pas pris? Voilà. C'est toujours bien d'en prendre. Tac. On n'oublie pas la lanterne insecte, qui est juste trop forte. On n'a pas une autre quelque part? Non, visiblement il n'y en a pas d'autre. Ok, on continue. Où sont les squids? Ils sont là-bas. C'est des squids de défense par contre. Non, c'est des squids... Ah non, 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 c'est bien des squids de défense. Il n'y en a pas d'autres. Bon après j'ai une bonne résistance à la glace donc ça devrait le faire. Mais bon, ça reste quand même un gosse à rag donc à ne pas sous-estimer. J'avais pas vu qu'il y avait un truc qui en avait ici, j'aurais dû voilà. Oh quelle arnaque. Les deux vont se taper. Merde. J'ai pas pu récupérer le phylloptère malheureusement. Ok, bon, c'est pas mal. Mais en fait, c'est un Gossarak que je dois taper, c'est pas le Tigrex. Je suis un peu con, bon, c'est pas grave. Je suis un peu débile de taper autre chose que le Tigrex là. Oh, le Tigrex il est pas content. Hein. Ah zut. Oula. Ouf. Doucement. Merde. Oula, qu'est-ce que je fais? Mince. Oh. Ok, il fait une épée bouclier. Excellent. Ouf. Excellent le coup de l'épée bouclier.
parfait. Yes. Ça commence bien. Oula. Non, quelle erreur. Ok, une griffe, ça c'est intéressant. Ouf. Bon ça va, j'ai pas pris trop cher. Oh, d'accord. Je pensais qu'il aurait mieux touché. Oh, la barriose, bien. Ouf, les dégâts que t'as pris, mon gars. Pas le temps, tant pis. On va les aiguiser rapidement. Parfait. Après le fléoblast c'est pas forcément le meilleur truc contre lui. Forcément vu qu'il résiste, il semble bien que les steaks. Ah, il s'enfuit. Parfait, et squid. Oh, quel boulet. Ouf. Ah mince. Allez allez allez. Ah là, cette fois il a mis double lame. Parfait. Merci Ranguinage éclair. Ça sauve tellement la vie. Abusé. Dommage, là par contre ça va pas sauver. Merci le chat. Mince, c'est qui va vivre en l'eau. Le flash. Oh genre ça a pas touché. Mais qu'est-ce que je fais? Oh les squids qui arrivent pile au bon moment. Genre ça a pas compté, dommage. Parfait. Genre. Merci le squid. Ah oh, il a faim, parfait. Oh, le pauvre chien. Oh,
Chris, tiens. Vas-y, tape l'Izushi. Oh le pauvre, il a rien demandé quoi. Ah, il dort. Ah, zut, je croyais qu'il allait... Bah voilà. Et je me fais avoir, sérieux. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Oula, calme-toi. Oh, je l'ai assommé, parfait. Et il va mourir. C'est excellent. Ah. Heureusement que j'ai pas... Ah, il dort ici, ok. Oh genre je l'ai pas eu. Yes. Allez tu meurs. Non tu meurs pas sérieux. Quelle tristesse. Dommage. Voilà parfait. Ah, dommage, il manquait pas grand chose pour le finir avec le combo que j'avais fait. C'est dommage. Pour le spectacle, ça aurait été cool. Ah, bonjour le T-Rex. Ah parfait, sous-quête complète. Yo,
J'avais pas vu l'objet. Tant pis. J'ai eu pas mal de trucs hein, quand même. Hein. Bon, à mon avis, ça ne suffira pas pour faire la... pour faire l'armure, mais... mais c'est déjà ça. Tac. Voilà. Bon, et bien c'est ici que se termine cet épisode de Monster Hunter Rise. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chance.